Bonjour Belam, j'étais en train de faire mon footing, jogging, dans un cadre merveilleux. Et donc, en tant que clairvoyant et médium, je reçois souvent des informations que je ne peux pas toujours transmettre, hein, puisqu'on passerait notre vie en ce moment, nous, tous les médiums, on reçoit énormément d'informations. Donc, mais là, vraiment, je voulais partager avec vous concernant notre arcane, donc de la papesse, qui nous a demandé et invité, entre autres, à lever les voiles. Et du fait que nous, notre arcane de l'impératrice est en ce moment très présente, je viens de recevoir une information. J'avais fait une vidéo, je voulais partager avec vous en concernant les personnes. Donc nous sommes personnes au milieu de personnes, il n'y a personne. Et donc automatiquement, c'est vrai que nous sommes personne et nous courons toute notre vie à essayer d'être quelqu'un. Voilà. Donc cette impératrice aujourd'hui, l'information que j'ai eue est vraiment, lorsque nous arrivons sur cette terre, peut-être que ça sera un peu plus clair, nous avons un numéro de sécurité sociale. Donc automatiquement, nous ne sommes plus personne, hein, puisque nous sommes un numéro de sécurité sociale. Et toute notre vie, nous avons ce numéro de sécurité sociale, nous avons les numéros, enfin on n'a que des numéros. Donc automatiquement, nous sommes personne. Ça, c'est... Voilà, on nous a menti, on nous a vraiment menti. Donc là, l'impératrice vous demande vraiment d'être dans vos discernements, levez les voiles, reconnectez-vous à votre source divine, à votre force de vie, à votre Bouddha, votre Christ, à votre source intérieure qui est la source de l'amour. Et ensuite, laissez émerger et œuvrer toutes ces vertus qui sont juste merveilleuses afin de pouvoir... amener sur cette terre beaucoup plus de lumière et d'amour. Connectez-vous à votre lumière. Voilà, c'était Nadia. Ah oui, je voulais juste... Donc évidemment que lorsque nous sommes, nous avons des voiles, nous sommes vraiment dans cette peur, dans ce manque, dans cette jalousie, dans tout ce qui est... enfin bon, voilà, tout ce qui est pas du tout vertu. Il est clair qu'on ne voit pas clair. Hein. Mais donc après, nous vivons bien sûr une cacophonie. Eh oui! Et à partir du moment où vous avez compris que vous devez donc lever les voiles et discerner hein, et reprendre le pouvoir et reprendre votre souveraineté afin de retrouver l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de vous-même, là, vous créez une mélodie. Eh oui! Voilà, c'était Nadia. Prenez soin de vous, de cœur à cœur.